C'est à la fois un label, un réseau, un format qui existe depuis plusieurs années et qui propose à des communautés de se regrouper pour ensemble réfléchir, créer des solutions de médiation culturelle dans les musées. Muséomix Sénégal est le premier Muséomix sur le continent africain. Donc on a une quarantaine de participants issus des écosystèmes numériques, culturels, artistiques, mais aussi de la documentation, du patrimoine, de la fabrication et des artisans qui ensemble se réunissent pendant 3 jours pour imaginer et créer de nouvelles formes de médiation culturelle au sein du musée. Donc on est au musée des Forces armées à Dakar. On a accès avec chance à l'ensemble des collections du musée qui portent sur toute l'histoire des tirailleurs sénégalais depuis le 19e siècle jusqu'à la décolonisation. Donc voilà, énormément de travail autour de la mémoire patrimoniale liée à l'innovation ouverte, et ça c'est inédit. Qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'âme? Je suis vraiment heureuse de participer sur ces genres d'initiatives parce que ça te permet de changer, d'échanger avec tout le monde. Et ça te donne beaucoup d'idées et aussi la possibilité de pouvoir t'exprimer et de comprendre le concept des autres. Je suis vraiment émue parce que ça m'a aussi permis de connaître le musée des Forces armées et c'est la première fois et j'ai vraiment adoré. Facilitatrice pendant 3 jours au sein de l'événement Muséomix. Donc c'est un rôle qui consiste à accompagner les groupes de travail dans l'élaboration et la conception de leurs idées. Donc je vais vraiment les questionner, les orienter s'il le faut, leur donner des informations, des renseignements pour qu'ils puissent aboutir à un prototype sur la base de l'idée qu'ils ont décidé de développer et de travailler. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment des profils qui sont très différents, que ce soit dans les expertises ou que ce soit dans les parcours de vie. Du coup, ça donne un mix de points de vue et des idées parfois un peu farfelues, mais qui du coup voilà, dépoussièrent, on va dire, l'approche classique qu'on peut avoir sur la vie d'un musée. Participer à ce regroupement, je l'appelle regroupement parce que ça me permet aussi de taquiner un peu d'autres personnes qui font autre chose et en même temps d'apprendre parce qu'il y a des discussions pendant des heures, on a passé la journée et c'est assez agréable quand même de découvrir les autres. Je pense que j'apprends chez les autres et je pense pouvoir être utile aux autres pour une réponse pour le musée. C'est bien d'avoir cette approche-là, que Muséomix amène cette synergie-là et que tout le monde travaille ensemble afin de mieux exposer notre musée. Ensemble, nous écrivons notre propre histoire.